Et salut à tous, c'est Zidic Game, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur Summoner's War Lost Centuria. Et aujourd'hui, je vous ai préparé ma première grosse semaine. Voilà, j'ai mis pas mal de cristaux de côté, j'ai mis pas mal de boucles de côté pour invoquer. Et on va se faire ça ensemble. Ça va être une petite vidéo tranquillement. Et puis on va parler aussi un petit peu voilà, de composition de monstres rapidement en invoquant. Voilà, je vous parler un petit peu des monstres qui sont un petit peu forts dans le jeu. Voilà, et puis on va voir tout ça ensemble. Alors, j'ai mis de côté, alors j'ai mis pas mal de cristaux de côté, j'ai des petits coffres comme ça. On va commencer par les coffres de toute façon pour se mettre un petit peu en jambes. Voilà, on va les invoquer un par un, on va pas non plus aller trop vite. Voilà. On va voir ce qu'on va drop. Et ben on commence bien, on commence par du 4 étoiles. Voir si c'est quelque chose que j'ai ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des pièces de Jeanne. Ok, d'accord. Donc, un petit peu de Jeanne, c'est pas trop mal. On va pas se plaindre sur un petit coffre d'avoir du 4 étoiles, c'est pas mal. Allez, on continue. Hop, du Roid, on s'en fiche. Roid, c'est pas le monstre le plus utilisé. Ah, encore du 4 étoiles. Ah, bah, décidément, on commence très très bien cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore de la Jeanne. Ok, d'accord. Ça va me permettre de monter un petit peu ma Jeanne. Allez, on continue. Hop, ça, c'est du verre. Ok. Du sacrifice. Ok, d'accord. C'est pas mal, mais c'est pas insane. Pas vraiment insane. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du roïde. Du roïde, on s'en fiche. C'est un break def, mais bon, c'est vraiment pas très très important. Du vert. Ah, du Ramagos, ça je prends par contre. Ramagos, c'est toujours fort. Je m'en sers pas mal de mon Ramagos, même si c'est pas la pièce la plus importante de ma team. Mais petite pièce des Lucia, ça c'est pas mal. Ensuite, on continue. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Du siècle. Du siècle, je m'en fiche un petit peu aussi. Hop, on continue. Du Bernard. Bernard, je m'en sers pas spécialement non plus. Allez, on continue. Hop, ça va être du vert, voilà. Du Barretta. Ah, ça c'est cool, du Barretta. Barretta, c'est pour l'instant c'est la pièce principale de ma team. J'aimerais bien en drop encore un petit peu pour le monter. Parce que vous allez voir, on se fera une petite game à la fin des invoques. Barretta, c'est extrêmement fort. Sur ce jeu, il est extrêmement fort. C'est même, à mon sens, un des monstres les plus forts. Parce que les team dots, c'est vraiment extrêmement fort. Et c'est vraiment très très fort. Des morceaux de Ramagos. Ok. On va finir nos petits coffres tranquillement. Et après, on passera au book. Là, qu'est-ce qu'on a? Du blanc, du Bernard. Ok. Pour l'instant, je me sers pas trop de Bernard, c'est pas trop ma façon de jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Du siècle, je ne l'utilise pas. Avant-dernier coffre, j'aimerais bien un petit morceau de Barretta. Qu'est-ce que c'est? Du Bernard. Et puis, décidément, on a eu du Bernard à gogo. Et là, qu'est-ce qu'on a? Colline. Ok, pourquoi pas, je m'en sers pas énormément, mais bon. Alors là, j'ai déjà 12 boucles de côté, et puis on verra selon ce qu'on drop, je reprendrai peut-être un pack avec mes cristaux. Allez, c'est parti, premier book, qu'est-ce qu'on chope? Chaîne du désespoir, c'est pas mal, ok. C'est un sort qui est pas trop trop mal, c'est pas le meilleur sort, mais bon, c'est pas mal. Ensuite, du verre. Ah, du Barretta, impeccable. Ça, je suis vraiment vraiment content du petit Barretta. C'est vraiment mon monstre préféré pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Kali, ok. 10 morceaux de Kali. Ah ok, pourquoi pas. Je me sers encore pas trop des Ignore Def pour l'instant, à part Lucian. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, encore du Kali. Bon bah je crois que je vais me mettre à jouer Kali. Vu ce que je drop. J'aimerais bien un beau 5 nat. Un petit peu de Mégane, ok, je m'en sers pas non plus spécialement de Mégane pour l'instant. Ensuite, on continue. Rien de spécial, du Roid, on s'en fiche complètement de Roid. Ensuite, ah, du violet, du 4 étoiles, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Un nouveau monstre, on espère.
Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est du nouveau monstre et c'est Clara. Non, pas Clara, Sophia. Alors Sophia, ça tape extrêmement fort. Ça break def et ensuite ça tape plusieurs fois, donc 5 fois comme c'est écrit. Ça tape très très fort. Elle a des coefficients de dégâts qui sont très très forts. Je me suis déjà fait rouler dessus pas mal de fois par des Sophia. Ça fait des énormes dégâts. Bon, c'est dommage, on n'a pas eu de morceaux. Ah, alors on a une petite chose à récupérer. Bah, c'est un 4 étoiles. Voilà, en faisant des invocations, qu'est-ce que c'est? Et puis on a eu roi. Ok, bah de nouveau 4 étoiles, ça c'est cool. Alors roi, qu'est-ce qu'elle fait? Attaque l'ennemi en moins de PV pour infliger des dégâts. Réduit le mana de l'invocateur adverse de 2 unités si l'ennemi meurt avec cette compétence. Ah, ça c'est fort. Ça pour le coup c'est très très fort. Cette mécanique, je trouve ça extrêmement fort. Je suis pas souvent tombé sur des rois, mais le peu que je suis tombé faisait aussi pas mal de dégâts, donc à voir. Testera, on se fera une petite partie à la fin, une petite game tranquillement pour tester voilà, un petit peu ce qu'on a drop. On continue, c'est cool. De nouveau 4 nattes. Enfin, quand je dis 4 nattes, voilà, vous m'avez compris, voilà, c'est pas vraiment. Bon, de nouveaux monstres, c'est cool. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Un petit morceau des Lucia, c'est cool, je vais pouvoir monter ma Lucia, ça je m'en sers. Ensuite, alors, on a toujours pas eu voilà de gros gros monstres. Siek, je m'en fiche, il me reste deux boucs. On va finir ces deux boucs là. Du verre. Qu'est-ce qu'on a sur du verre? Nouveau monstre. Ah ça c'est Tagaros, voilà. Donc attaque l'ennemi en tête avec une flamme puissante pour étourdir la cible. Bon, ça c'est pas très intéressant. Voilà, ça fait un petit peu de contrôle, mais bon, avec quand on a Barretta, et puis j'ai Train aussi, donc. Ah, du 4 étoiles. On aura eu encore un 4 étoiles. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du nouveau? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du Lushen. Ah bah, super, super. Du Lushen, c'est top. Alors écoutez, je pense qu'on va quand même se prendre un petit pack, voilà. Allez, on va se dire qu'on essaye d'avoir un légendaire. Ouais, on va faire les invocations une par une, et puis je vais essayer d'avoir du légendaire, et puis dès que j'ai un légendaire, alors peut-être que j'en aurai pas. Du sort, ok. Ok, on s'en fiche. On va essayer d'avoir un légendaire. Ça, c'est du 4 étoiles, ok. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nouveau monstre? Ou est-ce qu'on a des pièces? Oui, c'est un nouveau monstre. Et on a, ça doit être Liumei, je crois. Ah non, c'est Soa. Alors Soa, je sais pas exactement ce qu'elle fait. Donc lance l'orbe du renard sur un ennemi, hein, sur les effets bénéfiques pour infliger des dégâts. Et voler des effets bénéfiques, ok, c'est un strip. Plutôt c'est un vol de buff. Les effets bénéfiques volés seront appliqués sur tous les alliés et l'équivalent d'une partie. Ah d'accord. Ah ça pour le coup c'est pas mal. En plus elle est plutôt jolie, le design est plutôt sympa, je trouve. Elle est jolie. Elle ressemble pas du tout à celle qui est dans Summoner's War, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas tester. À tester. Bon, j'aimerais bien quand même avoir une petite étincelle orange, ce serait sympa. Des bouts de Ramagos, ok, ça je prends. Allez, on continue. On espère avoir l'étincelle qu'il faut. Du train. Ah, 10 morceaux de train. Ah, ça c'est excellent par contre. Vraiment excellent. Train, c'est extrêmement fort aussi. Ensuite, on continue. Toujours pas d'orange. Mégane. Par contre, on drop beaucoup, beaucoup de morceaux sur certains mobs. Énormément. Allez, on continue. Du fine. Fine, je ne m'en sers pas. Absolument pas. Ensuite. Allez. Donnez-moi un petit légendaire. Ce serait cool. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est Prilea. Ok, bon, c'est un petit break def, mais bon, pareil, ça rentre pas trop dans mon style de jeu. Ensuite, ah, ça c'est une pierre de compétence. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus? Ok, augmente de 15% les dégâts d'Apocalypse. Parfait. C'est vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment parfait sur Train. C'est top. Je vais pouvoir jouer vraiment une team control. Ça va être vraiment top. Il me reste 1400 cristaux, on n'a toujours pas eu de légendaire. On a eu beaucoup de 4 nattes top. De toute façon, bon, je pense que je vais finir les cristaux finalement.
J'espère avoir un légendaire, il reste plus beaucoup de chance. Ah, un petit Raccoony. Bon, Raccoony, c'est pas très efficace. Ça, on s'en fiche. Hop. Donc, il nous reste deux invocations. Puis, on aura peut-être des choses après à récupérer. Ah, encore une pierre. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour siècle. Ok, on monte son taux critique. On s'en fiche, je joue pas siècle. Et dernière invocation. Allez, on est parti, on espère le légendaire. Et non, ce sera pas le légendaire, dommage. Dommage, dommage. Ah, c'est quand même un nouveau monstre, Asvelg. Il est pas exceptionnel, voilà. Il est pas. Le design est sympa, mais bon, personnellement, je le trouve pas exceptionnel. On a eu 10 pièces. Ok. Ok. Est-ce qu'on a des choses à récupérer du coup dans les événements? Tout, couverture de boîte. Ah, on a un petit bouc à récupérer. Ok. Dans les quêtes, on va aller voir si on a des petits cristaux à récupérer. On a, ici, on a 100 cristaux. Ça va nous permettre de refaire une invocation. Bon, bah écoutez, on va se faire ça et puis on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Allez, on espère avoir quelque chose. Voilà. Là, des morceaux des Lucia, c'est pas mal, c'est toujours utile. Et puis la dernière invocation. Allez. Non, c'est pas orange. Et ben, on n'aura pas de légendaire aujourd'hui. Tant pis. Tant pis, mais on a eu quand même beaucoup de nouvelles choses. Shannon, ok, voilà, bon, un buff attaque, un buff speed, voilà. C'est la même chose que sur SW normal. Bah écoutez, pas de légendaire aujourd'hui, tant pis. Voilà. Je vais quand même vous montrer rapidement ma team, d'ailleurs que je vais peut-être modifier un petit peu. En fait, je joue une team à base de Dot, donc à base de Barretta. C'est extrêmement fort parce que les dégâts continus font énormément de mal. Si le joueur en face a pas d'immunité ou n'a pas assez de points de vie, tank pas assez, il se fait littéralement rouler dessus. J'ai monté en classement vraiment rapidement avec cette team. Et là, j'ai eu Train juste avant la vidéo. Et Train, ça stun aussi, ça fait aussi des dégâts continus. Donc, je pense que ça va être très très fort. Je vais essayer d'intégrer Sophia ou Roi dans ma team, enfin des petites choses comme ça. Je crois que j'ai drop pas mal de choses du coup. Et puis voilà. Et puis écoutez, ça me paraît pas mal. Pas de légendaire, encore une fois, un tout petit peu déçu quand même. Mais bon, ça viendra, je me fais pas de soucis. Et puis voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, le jeu me plaît toujours beaucoup. Voilà, je vais continuer à vous faire des vidéos dessus. On fera des summons. Je vous ferai des petits tutos une fois que je serai un petit peu plus avancé dans le jeu. Et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur Los Centuria qui est sortie de mémoire il y a 2 jours. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et puis voilà, ça me soutient beaucoup. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!